Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toi, bien-aimés frères et sœurs. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre comme point de méditation le psaume 50, le psaume de pénitence, afin d'implorer le Dieu de miséricorde pour le pardon de nos péchés, les péchés de nos familles, les péchés des membres de nos familles, les péchés de nos communautés. Implorer sa miséricorde sur le monde, sur les pays en difficulté. Implorer sa miséricorde sur nous-mêmes en ce temps de carême, afin de revenir à lui, afin de quitter ces péchés qui nous obsèdent, ces péchés qui nous rendent captifs. Alors nous allons implorer notre Dieu à travers ce psaume. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Et c'est dans notre faiblesse, Saint Paul nous dira, c'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il n'attend pas de nous que nous soyons sans péché. Mais toujours, il nous accorde cette occasion de revenir à lui. Et ce temps de carême est une occasion favorable. Ce jour encore est une occasion favorable. Alors nous allons prier le Seigneur de nous aider à quitter nos péchés, ces péchés dont nous n'arrivons pas à nous détacher. Amen. Je suis si faible et mon péché me surplombe. Loin de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Je suis si faible et mon péché me surplombe. Loin de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché.
je fais, le bien que je veux réaliser, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas réaliser, c'est cela que je fais. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Jean. Seigneur, comme des enfants, nous venons à toi ce matin. Aide-nous à quitter nos péchés. Aide-nous à être des artisans de paix. Aide-nous à faire le bien autour de nous, Seigneur. Tu es notre force. Rejoins-nous dans cette faiblesse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, toi le Dieu de miséricorde, toi Dieu notre force, que ton nom soit à jamais béni. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à chacun et que Dieu vous bénisse. Amen.